Wolf s'inquiète de nouveaux problèmes apparus sur la Mercedes. Alors, là, l'interview, elle date d'avant le problème avec Russell, hein, précise. Beaucoup ont remarqué qu'Hamilton devait rectifier considérablement sa trajectoire très survireuse. C'est une explication, selon Wolf, à savoir, l'équilibre de la W14 n'est pas bon. La voiture déséquilibrée, il fait chaud, et on n'arrive pas à trouver les bons réglages pour ces conditions. Il est impératif que Mercedes règle ses problèmes, car le premier Grand Prix de l'année se déroulera également à Bahreïn. Il est donc probable que les conditions seront similaires à la semaine prochaine. Oui, alors sauf que la course aura lieu le soir, du coup, et pas en pleine journée, en plein cagnard. Donc, est-ce que c'est grave vraiment, ça? Bon, pas sûr, hein. Le septième champion du monde a également eu du mal à trouver l'adhérence à l'arrière de sa voiture. En conséquence, il a dû constamment corriger la W14 de manière significative. La voiture ne donne pas assez d'adhérence à l'arrière, a reconnu Wolff, qui espère que le problème sera résolu à temps. On doit résoudre ce problème. Bon, eh bien écoutez, un problème à résoudre, c'est moins grave que du marsouinage, hein. Ne paniquons pas. Faut juste que la fiabilité tienne vraiment pour ce dernier jour d'essai pour Mercedes. Bon, à voir.